Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bilan couture, ça fait un moment et j'ai beaucoup de pièces à vous montrer, donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer donc par ce petit top qui est le top Grace de chez Studio Rosado, je vous mets le dessin technique juste ici. C'est un top avec donc encolure américaine, vous avez un ruban ici qui remonte très haut et il se ferme dans le dos avec un nœud. C'est un petit haut qui se coud également dans le biais, donc il est très gourmand en tissu, mais il est ravissant. Je crois que j'ai utilisé environ 1m30 pour réaliser ce haut, même s'il n'a pas de manche. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'il faudra utiliser si vous souhaitez le réaliser également. C'est un haut que je vous avais présenté dans une vidéo où je vous parlais des patrons que j'avais trouvé sur Etsy. Ce haut m'était pas mal resté en tête et donc je suis allée sur le site de la créatrice. J'ai acheté le patron sur son site officiel, enfin pas via le revendeur Etsy, et j'en suis ravie. Donc c'est un haut que j'ai cousu pour ma part dans une viscose slash acétate de chez My Little Coupon. D'ailleurs j'ai un code que je vous mets juste ici avec un lien dans barre d'infos qui vous offre moins 10% sur ce site, et si vous commandez avec mon code ou par ce lien, je touche une petite commission sur les achats, pas grand chose, mais quitte à être transparente, autant vous le dire jusqu'au bout. Donc, ce haut dans cette viscose acétate de chez My Little Coupon, j'en avais une très belle chute puisque j'avais commencé une robe Cadix de chez Belle & Paris à l'intérieur que j'ai jetée, hein. je vous le dis, c'était un vrai fiasco, donc je l'ai jetée, et Marine en avait encore un peu chez elle, donc elle m'avait donné ou vendu, je ne me rappelle plus bien, le reste qu'elle avait, donc j'ai pu réaliser ce petit haut et il me reste encore une petite chute dans laquelle je pourrais faire un débardeur. Mais donc voici, c'est un haut aux finitions incroyables. D'abord vous avez que des coutures anglaises partout, vous finissez ici les entournures au biais, et également vous avez une goutte dans le dos là que vous faites au biais également. Donc ce sont vraiment de très jolies finitions, vous pouvez surpiquer les biais pour gagner du temps. À votre avis, comment j'ai fait ma finition? Je pense qu'à force, vous savez très bien que j'ai fait à la main pour éviter toute couture apparente sur l'extérieur du vêtement. Et à propos du biais, je déteste faire les biais moi-même, ça me saoule. Je trouve que les mesures ne sont jamais précises. J'ai des patrons de biais, mais alors je trouve que... voilà, c'est jamais assez joli. Puis le tissu étant très fluide, je trouve que c'est jamais bien fait, donc je préfère les acheter tout fait, je plaide coupable. Donc je vais chez Mondial Tissu pour trouver un biais orange. Le Mondial Tissu dans Paris, il est pas très fourni, mais surtout il y a beaucoup d'attentes. Moi c'est quelque chose que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'attentes en magasin avant d'être servi. Et donc j'attends d'être servi pour mon biais, il y a deux personnes devant moi, puis je regarde, j'attends. Et là je tombe nez à nez sur les biais Liberty. Je regarde les biais Liberty et je me dis, mais est-ce que ce serait pas une bonne idée de faire ça au biais Liberty finalement? Même si personne ne le voit, même si c'est une taille que seul moi je pourrais admirer, je me dis après tout pourquoi pas. C'est un petit plaisir personnel et donc j'ai décidé de faire ma finition au biais Liberty. Encore une fois, il n'y aura que moi pour le voir, mais c'est le type de petite finition qui me met de bonne humeur quand j'enfile mon vêtement le matin. Que puis-je vous dire sur ce vêtement? Donc de très jolies finitions, il a beaucoup d'allure, comme il est dans le biais, il a un tombé magnifique. Je vous mets ici un insert du vêtement porté, donc il a vraiment un très joli tombé. Il est très agréable à porter, comme il se ferme avec un nœud dans le dos, vous pouvez régler la fermeture tout seul. Finalement le plus compliqué dans ce top c'est de faire le nœud, je vous le dis, puisque on ne voit rien, on ne sait pas si le nœud est bien fait, si les rubans sont mis dans le bon sens, c'est le plus compliqué, mais pour le reste c'est vraiment un top que je trouve ravissant, et d'ailleurs je le trouve tellement joli que j'en ai fait une robe que je vais vous montrer ensuite. C'est un tissu qui est quand même assez fragile, il y a plusieurs endroits où il y a des fils qui sont ressortis, c'est un tissu également qui moule beaucoup. D'ailleurs le biais également, je trouve qu'il met davantage les formes en valeur, notamment au niveau de la poitrine. Je sais que c'est un top sur lequel on voit facilement ce qui se passe ici. Moi ça ne me dérange pas, mais s'il y a des personnes que ça dérange, je sais qu'il y a des... cachetons qu'on peut acheter chez Etam ou même vous savez où. Moi c'est un truc qui ne me dérange absolument pas. Si vous êtes de la team cacher ce sein que je ne saurais voir, vous savez
quoi faire. Donc vraiment je suis très contente de ce top. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Le biais, donc je l'ai laissé pendre quelques temps avant de faire l'ourlet, et le top ne s'était pas du tout détendu, donc le biais n'avait eu aucun impact sur la longueur du top, puisque j'avais déjà eu l'expérience d'une jupe où ça s'est en fait il y avait un côté qui avait pris 15 cm par rapport à l'autre. Là, je n'ai pas eu ce problème-là. Je pense que ça dépend vraiment du tissu, de sa composition, de beaucoup de choses. La viscose étant quelque chose de très élastique, là, l'acétate doit le maintenir un petit peu. Voilà, comme je vous dis, finition aux petits oignons, couture anglaise absolument partout. Vous avez une grande couture dans le dos et j'ai vraiment adoré ce patron. Les explications sont claires, les finitions sont vraiment jolies. Ça m'a donné envie de tester d'autres patrons de cette marque. Pour le moment, je n'ai pas eu un coup de cœur assez fort sur un patron pour l'acheter, mais il y a de très jolies choses chez cette créatrice avec des finitions plutôt intéressantes. Je vous montre la robe tout de suite. Donc voici la robe, exactement sur le même modèle que le haut. Le hack en robe est tout à fait possible par le patron, c'est tracé, il suffit juste de couper sur une ligne si vous voulez en top et couper sur une autre si vous voulez en robe. Je vous l'ai pas dit, mais pour le top j'ai allongé de 5 cm et pour la robe j'ai allongé de 7 cm. Voilà, ça vous donne une idée de ce que j'ai ajouté par rapport au patron. Pour la robe, viscose acétate encore une fois, mais cette fois-ci de chez Sacré Coupon. Elle est plus épaisse que celle que j'ai utilisée pour le top et ça tombe très bien pour une robe. Je trouve que ça a un plus joli tombé que celui du top. Que vous dire, j'ai également fini au biais Liberty ici. Et alors là, j'ai eu quand même une petite déconvenue. La pièce de patron pour le devant, elle est à couper au pli. Donc vous ne l'avez n'avez que la moitié de la pièce de finale, puisque vous la placez au pli. Sauf que je trouve que couper au pli dans le biais, c'est horrible. J'ai essayé de plier mon tissu d'une manière, d'une autre et tout ça. En plus, un tissu fluide, je trouve que ça se combine très mal. Donc j'ai dû, comme sur le top finalement, j'ai placé ma pièce, j'ai tracé une droite le long de la pliure, enfin de ce qui devrait être la pliure, puis j'ai retourné la pièce pour faire comme une symétrie, c'est-à-dire que la pièce était comme ça, j'ai tracé ma droite, puis hop, voilà. Moi j'ai fait ça sur l'endroit du tissu, chose à ne jamais faire, puisque vous tracez un trait, même si c'est aussi l'offrirection ou au feutre lavable, il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça sur l'endroit du tissu, c'est sacrilège. Parce que je me suis retrouvée le jour où je devais porter cette robe, et c'était pour un mariage, je vous mets une photo ici. D'ailleurs on m'avait fait un très joli chignon, bien plus joli que celui que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs pour moi c'est une robe et un top qu'on ne peut porter qu'avec un chignon, sinon ça gâche un peu la très jolie encolure. Mais donc, passons, je trace mon trait, voilà, et puis le jour où je porte la robe, j'avais des traces de stylo friction. Alors ça ne faisait pas des traces blanches, mais ça faisait comme si j'avais mis de l'eau, et ça avait vraiment teinté mon tissu. Donc j'avais pourtant lavé la robe entre temps, donc je me suis dit oh mon dieu mais quelle horreur, j'ai flagué mon tissu. Finalement avec l'ongle, en grattant un peu comme ça, ça s'estompait beaucoup. Personne n'est venu me voir à la soirée en me disant Sylviette, t'as un trait le long de ta robe. Personne, donc j'imagine qu'il n'y avait que moi pour le voir, ou alors les autres invités étaient extrêmement polis. Là, je l'ai repassé en machine depuis et le trait a disparu. Mais donc, note à moi-même, la prochaine fois que je m'aventure à tracer des droites au stylo friction, faut le faire sur l'envers. C'est un conseil que je peux vous donner. Donc, la robe, je vous mets un insert de la robe portée ici. Je n'ai rien à ajouter par rapport au top, si ce n'est que je regrette la grande couture dans le dos. Je pense qu'il y a moyen de la retirer en faisant la pièce dos au pli et non pas en deux fois, mais j'y ai pas pensé. Disons que j'étais un peu prise de court et donc je n'y ai pas pensé en découpant la robe. Comme je vous disais, c'est très gourmand en tissu, je crois que j'ai utilisé un peu plus de 2 mètres pour une robe qui n'a pas de manches, donc qui est courte en plus, donc c'est pour vous donner une idée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce tissu est de meilleure qualité que l'autre viscose acétate, je vous ai dit, il est aussi plus épais. C'est un tissu qui m'avait coûté quelque chose comme 55 € les 3 mètres, donc on est quand même sur un tissu environ 17 € du mètre. Finalement, quand on convertit comme ça, la somme paraît moins impressionnante, mais sur le coup, ça m'a fait quand même un peu mal. Et il m'en reste à peu près un mètre,
Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans, peut-être un débardeur aussi, ou une petite jupe, bon, une jupe de cette couleur-là. Voilà, je pense que c'est un peu passé de saison. Très contente de cette robe, de l'effet qu'elle a, elle est ultra confortable. Comme je vous dis, le biais lui confère un tombé qui est vraiment très beau, qui certes met en exergue certains détails du corps, mais qui met aussi en valeur, je trouve, les silhouettes. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, j'ai envie de m'en faire toutes les couleurs, j'ai envie de m'en faire une verte, j'ai envie de m'en faire une bleue. Vraiment, j'ai envie de l'utiliser à fond et d'utiliser tous les biais Liberty qui se trouveront sur mon chemin pour la finir. C'est vraiment une très jolie robe. Alors, elle n'est pas très longue à coudre. Ce qui est long, c'est vraiment tous les points à la main que vous faites, puisque vous en avez ici à l'intérieur, vous en avez tout autour, vous avez l'ourlet. Enfin, si vous faites comme moi, et vraiment, c'est très... Là, c'est long. Après, c'est un travail de minutie. Vous savez que moi, c'est ce que j'aime, le travail vraiment... De petites mains, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup en couture. Et voilà, bah je suis ravie de cette robe. Elle tombe droit, vous n'avez pas de pinces, vous n'avez pas de détails particuliers. C'est seulement une robe avec un effet assez spectaculaire, mais quand même assez sobre. Une autre petite robe, c'est la robe Joy de chez Maison Cobalt. Je vous mets le dessin technique ici. Maison Cobalt, je trouve que c'est la marque un peu en vogue en ce moment. J'ai l'impression que c'est une petite marque d'une petite créatrice qui a l'air très sympathique, qui décolle vraiment sur Instagram. Elle a notamment sorti la jupe ambre récemment, qui a l'air de faire un carton et de plaire beaucoup. Donc c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, cette réussite. Donc la robe Joy, c'est vraiment la robe baby doll, je trouve, parfaite. J'ai toujours eu du mal à trouver des robes babydoll dans le commerce, pour la simple et bonne raison, c'est que souvent elles sont très courtes. Voilà, donc j'étais très contente de pouvoir en coudre une. Je vous mets l'insert porté maintenant, comme ça vous voyez tout de suite comment elle tombe sur moi, sachant que j'ai fait pas mal de modifications. Je vais d'abord vous parler du tissu, donc c'est un drap que m'a vendu ma copine Morgane, la créatrice de Atelier Bernie. Sur YouTube, vous pouvez la trouver sous le nom de Couture Pourpre. Donc c'est un vieux drap, il m'en reste d'ailleurs encore pas mal. J'ai également doublé cette robe avec un voile de coton bleu ciel. Regardez comme c'est hyper mignon. Je l'ai doublé intégralement. D'abord parce que le tissu était un poil transparent, mais aussi pour changer les finitions, mais ça j'y viendrai plus tard. Pour adapter la robe à ma morphologie, j'ai descendu la première ligne de fronce. Cette robe est composée de plusieurs lignes de fronce, mais la première ligne de fronce, je l'ai descendue de 3 cm. J'ai donc pris à peu près, donc ici vous avez la jointure, j'ai pris un petit peu au-dessus de la jointure, j'ai coupé, j'ai rajouté 3 cm sur le patron, et ça me tombe pile poil sous ma ligne de poitrine, puisque si j'avais raccourci de 3 cm, ça me serait tombé au milieu, et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Moi, je voulais vraiment que ça souligne, donc ça souligne. J'ai également allongé donc les pans de fronce de quelques centimètres à chaque fois, entre 4 et 6. Ça dépend, je sais plus quel pan j'ai allongé de 4 et quel pan j'ai allongé de 6, mais j'ai allongé les pans de fronce à chaque fois. En revanche, les manches, je n'ai pas allongé du tout, j'ai laissé telles quelles, et je trouve que la longueur est bonne. C'est une robe qui est toute en fronce, donc si vous n'aimez pas froncer, je vous déconseille. En revanche, voilà, si vous aimez utiliser le fil de fronce, allez-y, c'est un vrai jeu d'enfant de ce côté-là. Par rapport aux finitions qui sont proposées, moi ce ne sont pas du tout des finitions que j'ai comprises ni aimées. Notamment au niveau de la pointe ici, elle vous dit donc de coudre à 1 cm les deux devants, vous cousez donc à 1 cm, et elle vous dit ici de faire un rentrée de couture de 0,5 à ce niveau-là. Ce qui fait que finalement votre couture, quand vous l'aplatissez, pour moi c'est plus cohérent de faire un rentrée de couture de 1 cm pour que ça rejoigne la couture à 1 cm entre les deux devants. Je sais pas si je suis très claire. Ou alors effectivement il faut donc coudre à 1 cm. Ici, ça se plie à 1 cm naturellement et replier au-dessus encore de 0,5. Mais pour moi, si on replie de 0,5 sur 1 cm, on voit le rentrée de couture. Je sais pas si c'est très clair, mais moi, vraiment, j'ai
pas trop compris cette étape. Dit de faire, si vous faites la version sans manche, de juste faire un rentré de couture de 0,5 cm. Vous savez que moi, ce n'est pas du tout le type de finition que j'aime. Je préfère finir au biais ou bien faire un burrito avec une doublure pour bien cacher tous les rentrées de couture. Chacune ses méthodes, mais donc moi j'ai doublé mon haut pour arriver à faire ça. Et j'en suis très contente. J'ai également fait sur les jupons des coutures anglaises et sur la doublure et sur le tissu principal. Et également à l'intérieur des manches, j'ai fait des coutures anglaises. Voilà, je me suis beaucoup amusée au niveau des finitions sur ce patron. D'autant plus que j'ai fait des manches en fourreau. Et oui, et oui, et oui, je vous fais un insert ici. Grosso modo, vous mangez les rentrées de couture à l'intérieur de votre doublure et ça vous fait des finitions aux petits oignons, exactement comme je les aime. C'est donc un très joli modèle que vous pouvez faire également en manches longues pour les temps un petit peu moins chauds. Ou manche 3 quarts, vous pouvez choisir la longueur de manche, vous pouvez également la faire en version robe longue, en version blouse uniquement, en ne mettant que le premier pan de volant ou en le raccourcissant un peu. Vraiment c'est un modèle qui peut être utilisé de toutes les manières. Vous avez également une version dos nu avec un lien à attacher dans le dos. J'ai vu sur la chaîne de Sonia Soumiletter que les explications de ce côté-là n'étaient pas forcément très claires. Moi n'aimant pas particulièrement les dos nus, j'ai fait la version dos plein, la question ne s'est pas posée. Vraiment moi j'aime beaucoup la direction artistique de cette marque, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de très personnel. J'aime beaucoup sa manière de présenter ses projets, ses dessins techniques. Il y a un côté un peu naïf et que j'aime vraiment beaucoup. Quand vous imprimez le patron, je trouve que la suite logique des pages à mettre entre elles, ben c'est pas ma logique à moi, et vous faites, je sais plus exactement, mais ça doit faire A1, A2, B1, B2, C1, C2, A3, voilà, j'avais un peu ce truc de me dire, mais je comprends pas comment se posent les pages, alors il devait y avoir une logique dans la tête de la créatrice qui n'était pas la mienne, mais ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu perdue, je reconnais. Et également j'ai noté quelques coquilles, que ce soit sur le site internet et sur le patron et même dans le livret. Encore une fois, je sais que j'y accorde de l'importance, mais je suis aussi parfaitement imparfaite de ce côté-là. Et ça ne m'a pas empêché de coudre ce patron et de l'apprécier. On passe au vêtement suivant. On passe maintenant à un vêtement que je vous ai déjà présenté lors de deux vidéos. La première vidéo, c'était la vidéo où justement je cousais cette robe. Et la deuxième vidéo, c'est la version maillot de bain que j'ai cousue avant de partir à la Réunion au mois de septembre. Donc, ce patron, c'est la robe Honey de Evelyn Pattern. Je vous mets le dessin technique juste ici. C'est une robe avec ce qu'on appelle une découpe. En anglais on dit cut out, mais en français on va dire une découpe. Donc ici, juste sous la poitrine, et une torsade au niveau de la poitrine. C'est un patron qui se coud en jersey. Moi pour ma part je l'ai cousu en jersey de coton, le jersey de coton qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre. J'avais dans l'idée de coudre la version maillot de bain tout de suite, sauf que j'ai raté totalement la couture de mon maillot de bain. Donc, c'est un maillot de bain que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Donc j'ai dû courir chez les coupons de Saint-Pierre, acheter un jersey et la coudre. Je ne pense pas que je l'aurais cousu en bleu marine à l'origine, mais bon, tant pis, c'était pas plus mal. Donc voici, donc jersey 100% coton. C'est le premier patron de cette marque et j'ai été testeuse pour le premier patron, donc j'en suis ravie. C'est donc une robe assez originale, j'ai envie de dire, qui pour le coup en termes de silhouette me sort totalement de ma zone de confort. D'abord c'est une robe longue, je n'ai pas du tout cette habitude. C'est aussi une robe avec une découpe sous la poitrine, donc avec un côté très sexy. Je n'en ai pas trop l'habitude non plus. Très décolleté sur l'avant, encore une fois, c'est une robe qui rassemble beaucoup de critères que je n'applique pas trop dans ma garde-robe. Voilà, mais elle me plaît beaucoup, je la trouve très jolie. Je trouve qu'en été, avec une paire de baskets ou avec une paire d'escarpins pour aller au restaurant, elle passe extrêmement bien. Il y a également une grande fente sur le côté que je vous montre dans l'insert porté juste ici. Je n'ai pas grand chose à dire sur cette robe, si ce n'est que j'ai allongé le buste de 3 cm comme j'avais fait sur le maillot de bain que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Vous avez sur le patron la ligne d'ajustement pour voir où il faut rajouter les centimètres. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Evelyn Pattern puisqu'elle lance sa marque?
Moi je suis assez admirative du lancement. Elle est très perfectionniste. Pour avoir été dans l'envers du décor en testant deux de ses modèles, je vous montre le deuxième modèle juste après, je trouve vraiment qu'elle a un souci du détail et du bien faire. Elle est tout à fait à l'écoute des différentes remarques qu'on peut lui faire. Elle travaille à côté de sa marque de patron et donc pour elle ça doit être un boulot de dingue. Elle a toute mon admiration. Vraiment je trouve qu'elle a, avec cette robe en tout cas, elle a fait un coup d'essai, coup de maître, et on ne peut que la féliciter pour ça. En plus de ça, c'est une personne extrêmement sympathique. Je ne la connais pas beaucoup personnellement, mais les fois où on a discuté, je me suis vraiment dit qu'elle était très sympa comme personne. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait partie de son équipe de testeuses pour encourager le lancement de sa marque. Pas grand chose à dire de plus sur cette robe. Si vous voulez voir les étapes de montage de manière un petit peu plus détaillée tout en étant assez succinct, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur le maillot de bain. C'est exactement le même type de montage, sauf évidemment que là c'est une jupe longue et pas un maillot, mais bon, on s'y retrouve. Et les finitions sont très bien, je ne vous l'ai pas dit, les finitions sont très bien puisque c'est entièrement doublé, et donc j'ai appris pas mal de choses, moi qui ne coupe pas beaucoup de jersey et qui m'y met en tout cas. J'ai appris à poser de la linette sur des kilomètres et des kilomètres. Également, oui, alors... Moi je n'ai pas beaucoup de poitrine, mais il y a des créatrices qui l'ont cousue et qui en ont elles beaucoup, donc c'est une robe qui soutient vraiment bien la poitrine de par la quantité de laminette que vous utilisez pour maintenir un peu tout ça. On passe au vêtement suivant. Eh bien écoutez, sur ce vêtement, on va continuer avec du jersey. J'ai cousu le top Niki de chez Studio Schnittreif, je crois que ça se dit comme ça. C'est une marque allemande qui est composée de deux sœurs ou deux copines, je ne sais plus bien. On les voit souvent sur Makerist et Wisso, et on les voit aussi souvent avec la veste Dita qui a été faite notamment par ma copine Alice. Coucou si tu passes par là. Ce sont des modèles basiques mais avec un petit twist un petit peu sympa. Et moi j'avais envie de me coudre des basiques pour cet automne. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué l'année dernière. À partir du 1er novembre, je ne porte plus rien de cousu main puisque je n'ai aucun vêtement d'hiver cousu main. Je vais vous dire, je déteste l'hiver. Voilà, je déteste le fait qu'il fasse jour entre 9h du matin et 16h30. Je déteste le fait qu'il fasse... froid, puis alors à Paris en plus on n'a pas de beaux hivers, les hivers romantisés avec le tapis blanc de neige, les films de Noël un peu gnangnan à la télévision en buvant des chocolats chauds, moi vraiment ça ne me parle pas du tout. À Paris, on a des hivers où la neige c'est de la boue à partir du moment où ça touche le sol. Les films de Noël, je les trouve tous nuls. Et le chocolat chaud, j'aime pas le lait. Donc c'est impensable. C'est impensable pour moi l'hiver. Et en plus de ne pas aimer cette saison de manière générale, je trouve que stylistiquement, c'est un ennui. On s'habille toujours pareil en hiver. D'ailleurs j'ai prévu de me coudre un manteau pour pallier ce problème là dès le 1er novembre, sinon je ne m'en sors pas. À partir d'un moment dans l'année jusqu'en avril-mai, je trouve que c'est ennuyeux visuellement, les habits sont ennuyeux. Donc j'ai décidé de me coudre pas mal de basiques un petit peu twistés pour pouvoir les porter en hiver et garder un peu ce plaisir d'enfiler des vêtements le matin en me disant « c'est moi qui l'ai fait », que je n'avais jusqu'alors pas du tout. J'ai donc cousu notamment ce top Niki de chez Studio Schnittreif. Donc c'est un top ultra classique hein, avec un devant que je trouve très joli. Moi j'ai les salières ici qui sont extrêmement prononcées et je trouve que ça les met bien en valeur. Et le dos, hop, est un tout petit peu décolleté. Je vous aurais mis le dessin technique à côté, mais le dos est un tout petit peu décolleté. Juste ce qu'il faut pour que ce soit très féminin sans tomber dans le gros dos nu qui fait qu'on a super froid. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir le mettre sous un pull et savoir que j'ai un vêtement cousu main. J'ai d'ailleurs prévu de m'en faire d'autres versions. Je l'ai cousu extrêmement rapidement, je pense qu'en une matinée il était fait. D'ailleurs je l'ai fini peut-être 2 heures avant de tourner ce bilan couture. Quelques points, je l'ai cousu en taille S. J'ai fait tout à la machine à coudre avec des finitions comme vous pouvez voir. Donc le point de surjet. Alors dans ma dernière vidéo on m'a demandé comment je faisais ça.
puisque j'ai cousu le maillot de bain, une partie du maillot de bain avec ça. Donc j'ai un pied qui est celui-ci, c'est le pied numéro 2 si vous avez des Bernina. Ce pied là qui vous permet d'être ultra précis dans vos points de surjet. J'imagine que vous pouvez les faire avec le pied classique, mais en tout cas moi ça m'aide beaucoup d'utiliser ce pied là. Et le point numéro 8 sur la Bernina, j'imagine qu'il y a des équivalents sur toutes les machines à coudre, mais en tout cas sur Bernina c'est le point numéro 8 et ça vous fait des surjets que je trouve vraiment plutôt très correct. Certes, ce n'est pas aussi joli qu'un point à la Baby Lock, mais ça reste très convenable. Et puis, il n'y a pas d'ajuster la machine et la tension pour que le fil tombe bien. Moi, je m'embête pas avec ça. Moi, là où j'ai eu un peu de mal, c'est au niveau de la bande d'encolure. C'était la première fois que j'en posais une de cette manière-là. Puisqu'il me semble que sur le top de Method Mathilde, c'est une autre manière de faire que je trouve plus intuitive que sur ce top-là. Et alors, vraiment, j'ai trouvé les explications pour la bande d'encolure ultra approximative. C'est en gros, alors vous cousez à 3 cm, vous commencez votre couture à 3 cm de la couture d'épaule et vous tirez sur votre bande d'encolure un peu mais pas trop pour faire tout le tour et rejoindre à 3 cm de la couture d'épaule de l'autre côté. Super. Mais alors le un peu mais pas trop, je comprends que sur le jersey ça dépend de l'élasticité du tissu, etc. Mais alors moi, on me dit un peu, mais pas trop, ça me... je comprends pas. Je ne comprends pas, parce que moi, je ne suis pas du tout dans la demi-mesure. Ou bien c'est je tire, ou bien c'est je ne tire pas. Mais il n'y a pas de un peu, mais pas trop non plus. Je ne comprends pas ce truc. C'est, à la limite, je sais pas, faudrait des repères ou... en tout cas, j'ai trouvé ça assez approximatif. Et puis, au niveau de la couture du biais ici, moi c'est bien tombé, mais sur le coup j'ai pas trop compris non plus. Enfin, je dis biais, mais c'est bande d'encolure. En tout cas, attendez, c'est de quel côté? Non, si. En tout cas, ma couture d'épaule... Attendez, mais je vous dis n'importe quoi, c'est de ce côté? Ah, elle se voit quasiment pas. En tout cas, ma couture d'épaule rejoint bien ma couture de bande d'encolure, mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de bidouiller. Et puis, vous faites ça sur... ensuite, vous cousez sur l'endroit du modèle, au point droit, ici. Et alors moi, je trouve que c'est pas du tout précis. Donc, j'ai quelques ratés. Je crois que ma longueur de point, elle est pas pareille partout. Alors ça ne se voit pas trop, ça se voit si on met le nez dessus, mais moi je sais que comme j'aime les finitions vraiment très bien faites, moi ça m'a un petit peu dérangée. Pour les ourlets au niveau des manches, vous voyez qu'ils sont pas à la même hauteur. Si je vous les mets côte à côte comme ça, c'est pas du tout à la même hauteur, parce que j'avais une manche plus longue que l'autre. Pourquoi? Je pense que il suffit que j'étire un tout petit peu plus sur un tissu que l'autre, ou j'en sais rien. Mais donc pour y remédier, j'ai deux ourlets de tailles différentes, ce qui ne serait jamais arrivé si j'avais fait ça au point invisible à la main, puisque personne n'y aurait rien vu, moi y compris. Et puis pareil, mon ourlet est pas super droit, mais bon, comme je compte le rentrer dans des pantalons, enfin il n'y aura que moi pour le savoir. Et alors aussi, erreur de débutante, mon devant n'est pas dans le même sens que mes autres pièces, parce que je crois que mon tissu faisait pile 1m40 sur 1m40, et donc je savais plus le sens de la laise. J'ai coupé ma première pièce et je la mets sur le côté et je la mets à la lumière du jour et je me rends compte que je l'ai coupée dans le mauvais sens, donc j'ai découpé le reste dans le bon sens. Je crois que ça se voit, mais j'ai des plis à ce niveau-là. Alors est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez de poitrine et donc ça ne comble pas et donc ça fait des plis, ou est-ce que parce que j'ai trop tiré sur le tissu? Dites-moi, je suis pas du tout experte en jersey. Et également j'ai des plis au niveau des épaules, alors je ne sais pas s'ils se verront très bien. Mais à ce niveau-là, j'ai des plis et je pense que pour le coup, c'est parce que ou bien j'ai trop tiré sur mon tissu, ou bien je n'ai pas tiré sur mon tissu. Voilà, ça la vend dans le collier. Voilà, ça, vous savez mes problèmes de demi-mesure. C'est un tissu, je vous l'ai pas dit, c'est un jersey de coton qui vient de chez Rascol, qui est incroyablement doux. Vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur à porter, c'est un bonheur à toucher, j'en ai d'autres. Par rapport au jersey de coton, les coupons de Saint-Pierre, celui-ci est de plus jolie qualité, je trouve. Et comme je vous dis, ça me fait un petit basique pour l'automne avec un côté un petit peu twisté. Donc il y aura certainement d'autres versions de ce top dans des bilans couture à venir. Aussi, j'ai un petit couac au niveau des épaules. Pas grand-chose, mais je pense que je gère pas bien la couture d'épaule sur le jersey. Je pense que j'ai un problème de ce côté-là. Mais en tout cas, j'aime beaucoup
la couture, enfin, j'ai beaucoup aimé la couture de ce top et j'aime beaucoup le rendu qu'il a et je trouve qu'il met bien en valeur le port de tête et bien en valeur le dos également. Très joli. Je continue donc ce bilan couture avec le top Tia de chez Project Stitches, il me semble que ça se prononce comme ça, que j'ai acheté sur Etsy. J'avais acheté un mètre de jersey blanc de coton pour aller avec une jupe que je vais vous montrer juste après. Et je cherchais un petit top un peu sympa pour le coudre. Et en cherchant sur Etsy, je suis tombée sur celui-là qui semblait très rapide à coudre, très, très mignon tout plein. Et c'est d'ailleurs un des gros avantages du jersey, c'est la rapidité avec laquelle ça se coud. Enfin, c'est incroyable. Mais donc, j'ai acheté ce patron. Je l'ai cousu en taille S et je pense que j'aurais pu carrément le coudre en taille XS en réalité. Hein. Mais donc je l'ai cousu en taille S et j'ai enlevé au band ici, j'ai enlevé 5 cm. C'est énorme et je pense que j'aurais pu encore en enlever au moins 2 parce que ici ça ne se tient pas du tout. C'est dommage, hein, ça ne se tient pas du tout et pourtant j'ai mis de la laminette et je pense que ma pose de laminette elle a fait onduler le tissu, enfin je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée. Je vous aurais mis le dessin technique ici. Donc c'est un patron qui est en anglais avec des explications en anglais. Il y a un tutoriel vidéo qui est rattaché et heureusement d'ailleurs parce que je n'ai rien compris au livret, notamment à ce niveau là. Vous avez une goutte ici et alors moi vraiment à ce niveau je n'ai rien compris. J'ai regardé la vidéo, j'ai essayé de le faire une fois, deux fois, trois fois, ça ne fonctionne pas. Vous cousez ici, attendez, comment on fait? Oui, vous cousez ici et après vous faites une couture en rond comme ça. Sauf que c'est, ben j'ai essayé, c'est impossible. C'est vraiment impossible de faire quelque chose de joli, ça fait un bourrelet à cet endroit-là. Donc il faut finir à la main. Sinon, vous déchirez votre tissu, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors, c'est un haut qui est réversible, puisqu'il est intégralement doublé. Et d'ailleurs, il y a un système de burrito à la fin pour faire l'ourlet, j'ai trouvé ça hyper ingénieux. Mais moi, je le mets donc du côté où le tissu n'est pas troué. C'est clairement pas un top qui va me durer 10 ans, mais bon, il est très mignon. Il est un peu trop court sur moi, j'aurais aimé l'allonger de 2 bons centimètres. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec l'idée de montrer mon nombril. C'est... je n'aime pas montrer mon ventre, je n'aime pas montrer mon nombril. Et là vraiment, il est vraiment trop court. Je pense que 2 cm en plus, ça aurait été beaucoup mieux. Je vous montre dans l'insert porté avec la jupe, quand je vous présente la jupe. Donc si vous le cousez, alors je pense aussi que ça dépend de l'élasticité de votre tissu, hein. Mais si vous le cousez, vous pouvez d'emblée raccourcir les bretelles de 3 bons cm. Encore une fois, ça dépend de l'élasticité de votre tissu, mais vous pouvez d'emblée les raccourcir. Et vous pouvez sous-tailler, je vous le dis, à moins que vous ayez beaucoup plus de poitrine que moi, vous pouvez sous-tailler, je vous le dis d'emblée. Donc comme je vous disais, c'est un top qui est assez rigolo à coudre parce qu'il est intégralement doublé, donc il y a tout un système de burrito à la fin, et vous finissez à la main, mais je l'ai trouvé assez rigolo, puis l'encolure est assez sympa, et le dos nu est assez joli, en plus moi ça tombe, le dos nu, tombe pile au niveau de mes cheveux, donc voilà, c'est personnel, mais c'est un détail que j'aime bien. J'ai un vrai truc en ce moment avec les encolures drapées. Pourquoi, je ne sais pas, mais alors sur Pinterest, j'ai regardé les trucs que j'ai épinglés récemment, que des images avec des drapés au niveau de l'encolure, comme ça, voilà, ou drapés d'un côté qui descend comme ça le long de la poitrine. J'ai un vrai truc avec ce type d'encolure en ce moment. Je ne l'explique pas. Et alors également, j'ai été complètement anti-encolure américaine pendant des années parce que j'ai toujours trouvé que ça faisait des épaules de déménageur, surtout que j'ai pas mal d'épaules, mine de rien. Et alors en ce moment, mais j'en veux, je ne vis que pour ça. J'ai envie d'encolure américaine dans tout dans ma vie. Alors certes, ce n'est plus de saison, hein, mais vraiment je pense que l'été prochain, vous n'allez me voir qu'en encolure américaine. Je trouve que c'est hyper saillant finalement. Moi qui étais un petit peu sur la retenue par rapport à ça, je reconnais qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup. Et puis ça met bien en valeur mes épaules alors que ce n'était pas quelque chose que je cherchais à valoriser chez moi. Comme quoi, on change tous d'avis un jour. On passe au dernier vêtement de ce bilan couture, qui a déjà bien assez duré, mais pas des moindres parce que j'en suis extrêmement fière. Le dernier vêtement que j'ai à vous montrer, je vous le montre cette fois-ci non porté, puisque sur mes genoux ça ne ressemblerait à rien, puisque bon, vous ne voyez pas mes genoux,
c'est cette jupe de chez Evin Patterns qui sort aujourd'hui sur son site internet. C'est la jupe Lemonade. Donc, commençons. Je l'ai cousue en taille 38 puisque c'est un patron qui est très ajusté. Elle a modifié pas mal le patron hein, depuis que je l'ai cousue puisque les testeuses ont eu quelques déconvenues. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est vraiment consciencieuse et minutieuse dans son travail. J'ai un petit fil qui dépasse. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai donc cousu la jupe en taille 38 et elle me va plutôt bien. C'est dans un tissu qui n'est pas élastiqué du tout et pour une jupe ajustée, il faut vraiment qu'elle vous semble à la perfection, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, cette jupe, croyez-le ou non, elle a 6 pans. Alors oui, je suis super fière. Je suis super fière de quoi? De mes raccords. Si je vous dis qu'il y a une couture, ici. Si je vous dis qu'il y a une couture, je la vois même pas, qu'il y a une couture ici, j'ai vraiment des raccords, je me suis beaucoup amusée à les faire, attendez, je vais vous montrer sur ce dessin, ici, et vous avez une couture juste là. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire les raccords. Ce tissu, c'est un piqué de coton imprimé toile de Jouy de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté pour me faire une parisienne de Louis-Antoinette. Il me restait une chute assez conséquente et ça a fini là-dedans. Normalement, il faut un peu moins d'un mètre pour faire une version midi puisque j'ai choisi la version midi. J'ai utilisé quasiment 1m50. Raccord oblige. En plus, ce sont des gros motifs. Donc j'ai utilisé quasiment 1m50. Je suis extrêmement fière des raccords de cette jupe. Vraiment, c'était un pas un challenge non plus. Hein. Faut pas abuser. Mais j'étais ultra contente de moi en voyant les raccords que j'avais réussi à faire, alors que on m'avait toujours dit que tous les raccords ne sont pas possibles. Pour réussir à faire ces raccords, je pense que je vais vous faire une vidéo complète ou je sais pas trop encore comment je vais faire ça. Parce que j'ai regardé sur internet, il n'y a aucune vraie formation sur les raccords. J'en avais acheté une chez Artisan que je n'ai pas trouvé terrible du tout. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur les raccords. J'ai tellement aimé les faire que j'ai envie d'apprendre à tout le monde à en faire. Mais voilà, j'ai acheté un autre tissu de type toile de Jouy et faire un ensemble jupe et veste avec des raccords parfaits. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser éventuellement. Mais moi je serais tout à fait partante pour faire. Bon, j'ai quand même quelques loupés, hein, cela va sans dire. J'ai notamment ici ma petite bonne femme qui a un pied supplémentaire. Comment je peux vous montrer ça? Là, voilà, elle a deux petits pieds, ma petite bonne femme. Et également, au dos de ma jupe, j'ai une dame, elle tient un peu la tronche. Hop. Ici. Là, elle tire un peu la tronche, hein, cette bonne femme. Mais bon, rien d'alarmant. C'est une jupe qui se finit au biais, donc elle n'a pas de ceinture. Elle se finit au biais ici. Moi, j'ai changé la finition de ceinture de biais au niveau du zip, mais voilà. Et vous avez donc une fente ici, et moi j'ai changé les finitions intérieures. Pour éviter d'avoir des rentrées de couture apparentes, j'ai fait des coutures rabattues partout sur ma jupe, pour vraiment avoir de très jolies finitions, absolument partout. Vous en doutez, comme le tissu n'a pas été tracé selon la jupe, sur les côtés je n'ai pas réussi à faire de raccord. De toute manière, j'avais laissé les côtés libres de raccord si jamais je devais retailler la jupe, ce qui a été le cas. Donc c'était pas plus mal. Juste de ce côté, j'aurais pu faire un effort puisqu'il y a de faux raccords. Voilà, il y a un décalage de 1 cm à peu près. J'aurais pu faire un effort. Je vous mets un insert porté ici de la jupe avec le petit top de Project Stitch. Si vous voulez acheter les patrons, je vous aurais mis toutes les références dans les barres d'infos, les patrons, les tissus, je garnis toujours bien mes barres d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. Moi dans tous les cas, je suis hyper contente de cette jupe, j'avais hésité à la faire courte, puisque je suis plus habituée à porter des jupes courtes, et ayant une parisienne qui est déjà une jupe courte, je me suis dit quitte à tenter, autant faire en longueur midi. Je ne suis pas sûre que ce soit la longueur qui m'aille le mieux, mais... Bon, pour l'exercice des raccords, je suis très contente de l'avoir tenté en tout cas. Mais oui, je vous les remontre quand même, une fois, ma fierté.
Donc voilà, bah, écoutez, c'est tout pour ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux patrons ou des tissus ou des techniques. Je réfléchis encore à la prochaine vidéo parce que je voulais faire un vlog couture et j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus du tout sur YouTube, donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser, notamment la couture d'un pantalon. Mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là on se parle sur Instagram. Bye bye. No one tried to, if only...